se réveille après un profond sommeil. Fait face à un président qui se prend pour le roi soleil. On est des millions dans les rues à exprimer notre colère. On va s'abattre sur vous comme un violent coup de tonnerre. Ça fait longtemps qu'on attend que ça change. Dernière génération à pouvoir reprendre sa chance avant que la technologie nous domine et nous rende tous obsolètes. Que le robot nous remplace dans les usines et qu'on ait plus que la peau sur le squelette. Vous pouvez faire taire ceux qui dénoncent ces vérités, mais le peuple arrive en nombre pour défoncer l'Elysée. On veut plus d'un pantin aux commandes qui génère le désordre. Le peuple demande et nos désirs sont sans cesse désordres. On veut rétablir l'égalité et abolir vos privilèges, que ceux qui l'ont mérité puissent remplir leur frigidaire, pour que demain soit moins pire qu'hier, avant de finir à la fistinière et de ramasser notre espèce à la petite cuillère. On n'a pas voté pour les lobbyistes et les riches financiers qui s'enrichissent sur des crises qui détruisent des pays entiers. On veut instaurer le RIC et virer l'oligarchie, récupérer toutes nos ressources que l'État privatise. Ils appliquent leur tyrannie du haut de leur pyramide et le pire arrive. Je parle des Rothschild de toutes ces dynasties qui veulent vampiriser la lumière que le soleil irradie, mais leur philanthropie dissimule leur noir sur cristalline. Leur putain de république va couler comme le Titanic. Ils essaient de désamorcer le conflit avec de la dynamite. De simples citoyens rentrent chez eux avec des cicatrices. Ce sera pas un joli papillon qui sortira de la chrysalide. Alors la colère du peuple prend la forme d'un gilet jaune. On se demande même plus d'où proviennent vos capitales illégaux. On voit bien qu'on est inégaux, trop de violence en vidéo. On n'est pas des fainéants, non, le peuple a des idéaux. Et le mouvement a été suivi dans des dizaines de pays. On ne doit pas s'arrêter jusqu'à ce que la société soit guérie. On n'est pas dupes, non, c'est vous qui êtes dans le déni. Et le combat sera rude alors que le ciel nous bénisse. Banque mondiale, réserve fédérale et FMI. En fait le monde entier appartient à 13 familles. Ils arnaquent les nations avec des taux d'intérêt fictifs. Les banksters sont derrière toutes les crises et les guerres bien lucratives. Ainsi que l'Union Européenne et le projet mondial qui approche. Ils disent que tout va mal mais sérieusement à qui la faute? Autant CFR, Bilderberg et compagnie. Usuriers et bourgeoisie qui ne veulent pas qu'on les contrarie. Et dans leur logique capitaliste ils oublient même qu'on existe. On veut pas de votre Europe illusoire, on demande le Frexit. On veut aussi vous rappelez que vous êtes nos employés. Rendez-nous la souveraineté avant qu'on vous fasse empailler. On veut être libre, non, on veut pas de votre ordre mondial. Vos méthodes coloniales n'ont d'égal que vos mensonges colossales. Et tous ces false flags, c'est pas le triste destin du sort. S'il y a pas d'ennemis, on l'invente, ça s'appelle la stratégie du choc. Faut bien justifier la surveillance et les lois liberticides. Ils parlent tous des délais pauvres, mais y en a combien qui y crèvent ici. Les pantins aux commandes attendent que Wall Street les félicite. Mais elle n'a rien d'humain, cette société qu'ils édifient. On nous traite comme de la merde, pourtant on lutte comme des Gaulois. Si vous venez nous check dans notre misère, faudra recompter vos doigts, représentés par des incapables façon Marlène Schiappa. Pas étonnant qu'on manifeste contre cette malsaine arnaque. Arrêtez vos balivernes, on voit très bien la mascarade. Et dans les manifs, faut carrément mettre le masque à case. Ils font couler le sang et le mascara. Prépare le sparadrap, vendre son temps de vie contre un salaire, ça résume bien le salariat. Nous asservir, c'est leur projet. Temps de vie troqué, la pomme fut croquée. De la vie du peuple, ils ne cessent de se moquer. Ils collectionnent les bavures comme des trophées. Détruire la nature, ils appellent ça le progrès. Et ils ont privatisé la création monétaire. L'arnaque n'est pas qu'en France, non, elle est planétaire. Bienvenue dans le meilleur des mondes, au service de leurs démons. Vous avez fait assez de mal, mais maintenant c'est l'heure des comptes. Si ça continue, vous brûlerez sous les cocktails Molotov. Ça sert plus à rien de vous cacher derrière vos Robocop. Votre élitisme maladif ressemble à un holocauste. Et toutes vos lois sécuritaires rendent la vie monotone. Ils se croient à l'abri, mais ils savent que ça s'envenime. Je sens venir les flammes, les cendres, les larmes et le sang de riches. Des revendications simples, on veut que ce soit le peuple qui décide. Au lieu de ça, les flics nous déciment, confondent nos têtes avec des cibles. Ils ne savent que substituer la parole à la matraque. Ceux qui font les cow-boys attendaient que le karma vous rattrape. Ils pensent résoudre les problèmes avec des flashballs. Mais quand les gens n'ont rien dans l'assiette, il faut comprendre le ras-le-bol. Frapper ses propres citoyens, j'appelle ça de la répression. Excusez si j'ai l'air vénère, je vais pas cacher mon expression. Si tout le monde paye ses impôts, pourquoi certains font exception? Et pourquoi on empêche les journalistes de poser les questions? Après l'oppression, ils aiment faire pleuvoir des médailles soutenues par ces armes de propagande que vous prenez pour des médias. N'écoutez plus tous ces menteurs qui nous rendent amnésiques. Sachez que celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Mais on va pas s'arrêter là, non, on ira jusqu'au bout. On aurait déjà gagné le combat si on avait les flics avec nous. Déposez vos matraques et accomplissez votre devoir de soldat. Vous aurez le sang de vos propres familles sur vos bras. Le sang de vos familles sur vos bras. Je suis pas Charlie, je suis Claire Sévérac, Dettinger le boxeur et Étienne Chouard. Je suis Dieudonné et tous les dissidents opprimés. Je suis le peuple déterminé que vous ne pouvez plus dominer. On a retrouvé la fraternité à travers notre unité. Dans l'adversité, on a pu voir le peuple s'unifier. Soyons la flamme de la résistance pour les générations futures. On doit finir ce qu'on a commencé car on a déjà fait le plus dur.